Allez, salut, salut, salut à vous, voilà, salut à tous ceux qui me suivent, et puis merci de me suivre, voilà. Et pour tous ceux qui viennent juste de voir cette vidéo, sachez que c'est nous sommes là pour la bourse d'autruche, voilà. Et si c'est la première fois de voir cette vidéo, essayez de me donner une pouce bleu avant de pouvoir continuer à suivre cette vidéo, car c'est très réconfortant, voilà. Si cette vidéo vous a plu, si ce que je fais vous est très important pour vous, ou bien vous aide énormément, alors essayez de me donner un pouce bleu avant qu'on ne commence. Voilà, donc comme je le disais, nous sommes là pour la bourse d'autruche, et pour tous ceux qui veulent vraiment postuler à cette bourse, sachez que pour la bourse d'autruche, c'est une bourse qui est complète. Voilà, quand on dit une bourse complète, ça veut dire le voyage, il y a des allocations, il y a des frais de dortoir, il y a des frais de scolarité, soins et santé. Voilà, vous ne payez rien. Voilà, donc c'est un peu ça, et chaque fin de mois il y a de l'argent. Ça va dépendre en fonction de votre âge et puis de votre niveau d'études. Voilà, donc une fois que cette bourse est présente, sachez que dans l'Indom, cette bourse vient avec plusieurs autres bourses, mais nous on va se focaliser sur une bourse, voilà, de la Fondation des Bourses. Donc on va pas essayer de postuler à toutes les bourses en même temps, on va essayer de se focaliser sur une seule bourse. Voilà, donc comme ce que je disais, cette bourse elle est hyper complète. Alors, pour pouvoir postuler, c'est très simple. Il faut avoir, comme vous savez déjà, votre passeport, votre carte d'identité. Il faut avoir aussi un CV. Il faut avoir aussi vos diplômes. C'est-à-dire, si vous partez faire le master, vous devez avoir votre diplôme de licence. Si vous partez pour la licence, alors vous devez avoir votre diplôme de baccalauréat, parce que cette bourse, ça concerne tous les niveaux. Voilà, ça concerne tous les niveaux. Alors, si vous êtes intéressé, essayez de postuler parce que vous n'avez rien à perdre. Et voilà. Donc, pour pouvoir postuler, c'est très simple. Il faut d'abord s'enregistrer comme d'habitude. Il faut toujours s'enregistrer d'abord avant de pouvoir chercher à faire l'admission et aussi à chercher à postuler. Donc, comme je disais, dans les normes, je vais mettre en français comme ça. Tout le monde. Voilà. Je vais mettre en français. Je vais mettre ici en français. Ok. Donc, ici, par exemple, comme ça. Si vous venez ici dans l'application, ici. Vous allez voir que en fait cette bourse là elle est reliée à plusieurs bourses. Vous voyez là, il y a la bourse, je vais remettre encore en français. Ok, donc ici vous voyez, il y a la bourse des séjours de courte durée, il y a la bourse d'Alberta qui finit en janvier 2022, il y a la bourse d'un mois pour les professeurs, il y a la bourse de Jérusalem pour les doctorants. Voilà, il y a la bourse de Mariette au blé. Ça, je vais faire ça lorsque je vais finir de faire cette vidéo-là. Si je vous aide et que vous réussissez à postuler à cette bourse, je vais essayer de faire cette vidéo aussi pour vous montrer un peu comment ça se passe, la bourse de Marie Tableau. Et ici aussi, il y a la bourse de Minusita pour ceux qui veulent postuler pour la recherche de doctorat. Vous pouvez postuler. Ce n'est pas toutes les bourses que je vais faire. La bourse qui nous concerne est là. Ici, par exemple, comme ça, c'est pour ceux qui sont, par exemple, déjà en Autriche. Voilà, de l'Autriche vers un autre pays. Mais nous sommes de l'étranger vers Autriche, donc c'est ici. Voilà, il y a la bourse de la Slovaquie avec l'Autriche, ça ne nous concerne pas. Il y a la bourse d'un mois pour le professeur aussi, comme ce qui est ici. Voilà. Et il y a la bourse de suivi de ESMH. Il y a la bourse ESMH. Voilà. Et ici, par exemple, il y a comme ça. Il y a ici la bourse de soins. De suite d'action Autriche-Hongrie, ça ne nous concerne pas. La bourse de Richard Pascal, ça nous concerne. Après ça aussi, je vais faire une vidéo dessus. Nous, c'est pas ce qui nous concerne. La bourse, excusez-moi, d'Autriche-Hongrie, non. La bourse Hongrie pour des cours, non, c'est pas, ça nous intéresse pas. La bourse de fondation de bourse d'études de la République d'Autriche pour une maîtrise, ça nous intéresse. Mais je vais pas faire c'est pour cette bourse là, parce que ça c'est pour la maîtrise seulement. Je vais faire la bourse qui concerne tout le monde. Et pour ceux qui font la maîtrise, ils peuvent postuler à ça. La date limite c'est le 1er avril 2022. Ok, donc la bourse de fondation de bourse d'études de la République d'Autriche pour post-doctorant, ça aussi ça nous concerne aussi. Donc ceux qui sont intéressés peuvent postuler, mais nous ça nous intéresse pas pour cette vidéo. Et la bourse de la fondation de bourse, voilà, des tuteurs de la bourse d'Autriche pour les étudiants du premier cycle, les diplômés et les étudiants du troisième cycle. Donc ça, c'est pour tout le monde. C'est ce que nous allons postuler. Voilà, donc, mais avant de pouvoir postuler, il faudrait d'abord chercher à avoir une admission, essayer de s'enregistrer et puis, voilà, venir à ce stade-là. Donc, ceux qui sont déjà enregistrés peuvent partir de là pour pouvoir
travailler. Maintenant, ceux qui ne sont pas encore enregistrés, ils doivent cliquer ici pour pouvoir d'abord s'enregistrer et ensuite essayer de postuler à la bourse. Voilà, donc c'est un peu ça. Je vais essayer de vous montrer. C'est juste l'information que je donne. Voilà, donc je vais m'arrêter là et puis je vais faire une seconde vidéo pour vous montrer comment est-ce qu'on s'enregistre et ensuite comment est-ce qu'on fait pour avoir l'admission. Donc à tout à l'heure et puis à plus les gars.